Ici, on peut pêcher jusqu'à fin décembre et réattaquer tôt dans la saison sur les parcours spécifiques que les fédérations ont mis. Ce qui veut dire qu'on peut pêcher tout l'hiver finalement. Hein, sur, bien sûr, c'est des parcours no-kill avec des ou à mailles fenêtrées avec des arcs-en-ciel et autres. C'est joli là. Bon, qu'est-ce que tu nous mets comme mouche, JB? Je vais mettre une casque, ce que tu m'as dit là, une petite cuivre. Ouais. Un casque cuivre. Une bicuivre, c'est bien. Ouais. En 3-3 et après je cherche en potence une mouche plus petite. Ouais, mais une petite. Ouais, tu vois, sur les petits modèles. Prends une petite cuivre comme ça. Petite là. Cuivre là. Ouais, ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est comme petit. Ça, toi tu auras l'option. Toi tu prends l'option nymphe. Et moi je prends l'option. Toi j'ai monté l'option noyer nymphe. Ok. Donc là, j'ai monté une noyée en corps jaune sale, comme ça, puis une en camel. D'accord. Ça, c'est en les fait, deux coloris. C'est, ouais, c'est un peu des imitations de l'arbre de Selge, en fait. Ok. Qui est toute l'année dans la flotte, c'est bien. J'ai pris en main cette canne. Alors, cette petite nouveauté, là, écoute, franchement, je suis assez étonné. Hein. Ouais. Ah, ouais. Là, écoute, je me dis, pour tous tes stagiaires, je pense que ça peut être... Ah, mais carrément. Là, déjà, canne, nickel. Moulineub, il y a l'air d'y avoir rien à dire. Parce que je vois le poids de l'ensemble Moulinet Soune. En plus, ils sont ils ont un beau design. Non, on a pas mal bossé, là. On a vraiment voulu axer, là, cette année, on va dire, sur les budgets... Les petits budgets, arriver à trouver un bon compromis justement parce qu'on a quand même un nouveau, on s'est rendu compte quand même qu'on avait un nouveau réservoir de pêcheurs à la mouche. Tu vois, depuis plusieurs années, on vend beaucoup de kits. Et c'est vrai que du coup, bah, il faut, maintenant les gens sont quand même assez piqués à la marque. Et du coup, c'est vrai que faut progresser avec eux. Donc, ah oui, puis là, on parle de prix, mais visiblement de qualité aussi. Hein. Ouais. Parce que tout de suite, en faisant quelques lancers, hein. Là, je me rends compte que ça va très bien. Donc on va voir sur une ou deux séances complètes, on va pêcher un peu à toutes les techniques avec la même canne. Donc il n'y a plus qu'à quoi. Allez. Hein? Là du coup Thierry, t'animes toi sur tes nymphes ou pas? Ça dépend les dérives inertes. Des secteurs. Sur des secteurs qui sont où il y a un tirant d'eau qui est sympa, qui permet une bonne dérive, mais assez calme, je peux faire des petites animations qui peut permettre aussi de garder un peu de tension de fil sous l'eau pour détecter les touches. Et je dirais que plus on est sur un secteur rapide, et moins je vais animer. Je pense que le courant se charge d'animer les mouches naturellement. Okay. Donc ça, c'est un peu de l'improvisation sur la façon d'animer les mouches. Du coup, pour toi, on va dire l'ensemble, pour bien commencer, et polyvalent, c'est quoi? C'est ce que tu as essayé? C'est 10 pieds 4-5? Alors, je dirais que vraiment le plus polyvalent, ça serait 9 pieds 4-5. 9 pieds 4-5. Parce que si on prend le ratio des gens qui vont pêcher des petites moyennes rivières, hein, c'est-à-dire une dizaine de mètres de large, jusqu'à des rivières qui font 20-30 mètres, la 9 pieds sera vraiment passe-partout. La 10 pieds, ça va nous... Ça va, on ne peut pas pêcher en petite rivière avec une 10 pieds.
si c'est arboré, la canne sera un peu trop longue. Donc en fait, presque, je dirais que si on voulait faire bonne mesure, avoir une 9 pieds et une 10 pieds en soie 4-5, là c'est le top parce que on va pouvoir passer tous les formats de rivière, c'est-à-dire on va pouvoir pêcher de la Dordogne à la basse rivière Nain ou le bas Verdon en montant pêcher les petites rivières du massif central qui sont plutôt sous les arbres. Donc là on, et à la limite avec le pourquoi pas le même moulinet finalement. Et d'ailleurs, pendant le moulinet, j'ai vu que toi, tu avais ton petit système de manivelle que tu avais adapté sur l'Yoto. Ah bah oui, parce donc que moi, là, j'ai sur l'Yoto 9, avoir la manivelle, c'est ça. Ah bah, y est. Ah bah là, le Yoto 9, c'est pour moi le premier beau moulinet dédié à la nymphophile grand public, de par son rapport qualité-prix, c'est-à-dire qualité, rappel automatique et la manivelle qui est indispensable. Prends le relais sur le système de gâchette, ça peut gêner certains de ne pas avoir de manivelle pour gérer les combats. Et... Surtout que je dirais même que la manivelle, elle est indispensable parce que lorsqu'on pêche au fil, on a en main donc que du fil. Et pour le coup, dès qu'on est en contact avec un poisson, si on ramène le fil à la main, on va avoir des problèmes de vrillage, d'emmêlement, que le fil va rester en surface. Alors que dès qu'on a le poisson, on saute sur la manivelle et on combat. Total. Voilà, et c'est vrai que moi qui ai adopté le Yoto 30 dès sa parution il y a maintenant 7 ans, si je ne me trompe pas, c'est ça. Évidemment, assez rapidement, j'ai trouvé une combine pour mettre une manivelle d'un moulinet manuel sur le Yoto qui n'en avait pas à l'époque, pour faire ce que c'est devenu aujourd'hui, c'est-à-dire la production de ce nouveau moulinet. Il va y avoir la phase de gâchette pour la maîtrise des dérives et la phase de combat voilà, avec la manuelle. Et la gâchette qui est intéressante pour le rappel rapide de tout ce qu'on a sorti comme fil. Ouais. Donc là, on a vraiment, et de plus, on a une sortie de fil en anneau céramique qui permet de garder l'alignement du fil par rapport aux anneaux aussi, qui est très bien, ce qu'on n'avait pas sur la version Yoto, qui est très bien. Avec, par contre, avec le Yoto, on peut, classique, on peut aussi jouer la carte d'avoir sa soie numéro 3 ou 4 à demeure, son body, et adapté aussi, évidemment, à la nymphophile et tout. Je suis parti sur un montage tandem avec en potence une petite mouche, une petite sauteuse en 18. Mais par contre en bas, je suis parti sur un montage assez lourd avec une bille en 3-3 mais montée sur un hameçon jig, donc une bille fendue, ce qui permet d'avoir un équilibre avec la pointe qui est naturellement équilibrée et orientée vers le haut. Donc ça permet de vraiment pouvoir aller gratter sur le fond de la rivière sans s'accrocher. Donc ça c'est hyper intéressant quoi. Surtout sur ces périodes où on est sur des poissons là qui vont à ce moment là vont vraiment être au ras du fond. On va pouvoir les pêcher très creux avec sans s'accrocher quoi. Hop. J'utilise la pointe de soie comme indicateur ouais. Parce qu'en fait entre le poser et le travers, tant que le fil n'est pas complètement tendu, ça va être à l'arrêt de la pointe que je vais détecter l'interception. Okay. Et après c'est la châtaigne. Voilà, et après c'est la bonne tape. D'accord. Et où dans l'idéal il faut d'ailleurs pas avoir de réflexe de ferrage, je dis rien, pour pas casser. Il faut laisser le poisson se ferrer seul. D'accord. Oui, c'est vraiment une technique hybride quoi. Voilà, c'est vraiment le. C'est... Bon, auparavant, lorsqu'on parlait de la pêche en noyer, on pêchait de cette façon-là, mais avec des mouches légères. Là, le jeu, c'est d'avoir des mouches plus lourdes pour mieux traverser la couche d'eau. D'accord. Et permettre de pouvoir pêcher ben, sur vraiment aller non seulement la longueur, mais aussi la profondeur. Tiens, t'as regarde. T'as vu la petite mouche là voilà, sur ta pointe ? Ouais. Ben, ça veut peut-être dire que. Ça va bouger un peu ? De ben, toute façon, à cette époque de l'année, ce qui se passe souvent, c'est que quand ça bouge, c'est une heure ou deux, où ça bouge franchement, quoi. Ok. D'un jour sur l'autre, ça peut être à 13h, ça peut être à 14h. On a l'amplitude 13-16. Okay. Avec la température de l'eau, je la météo. Si j'ai pas vu un gobage au même endroit que tout à l'heure. Mais c'est fort possible. Ouais.
Bah, tu vois, là, on arrive sur un petit spot à sèche. Là, c'est ce que tu rêvais. Ouais. Un lisse, un vrai ouais, miroir. Le cliché, tu vois. Et là, tu m'as dit petit gobage. Hein. Ah ben là, c'est, là, là, sur ce genre de lisse, vu le fait que les mouches, en plus, sont très petites à cette époque de l'année, les poissons, ils nous font des tout petits sucions de, tu vois, en surface, tu vois, lorsqu'ils gobent. Donc là, on n'aura pas... Vu qu'il n'y aura pas profusion de mouches, de toute façon, aujourd'hui, on verra des poissons qui vont être très calmes, qui vont gober tout doucement. Si on a la chance de voir des poissons gober. Tu l'as vu celui-là au-dessus là ? Ouais, si tu peux lui mettre, faut lui mettre ta pointe en amont, un petit mètre en amont, tu vois. Ah, tu l'as vu celui-là ? C'est peut-être plus sympa d'être ouais. Là-bas. Mais en général, tu leur mets un peu à peu près un mètre en avant, si t'as une pointe ou une longueur de pointe, pas plus. C'est vrai que on est dans un métier, on est toujours à fond, on va être vraiment essayer d'articuler nos gammes en fonction des besoins, mais de s'appuyer sur des gens comme toi, ça peut être des compétiteurs ou ça peut être des guides justement, avec qui on va travailler depuis 15 ans sur l'analyse, parce que c'est toi qui vois les pêcheurs toute l'année. Tu côtoies beaucoup plus de pêcheurs que moi, et c'est vrai que de pouvoir avoir une expertise sur le matériel et sur les nouveautés, nous c'est en plus d'être un bon prétexte pour venir pêcher et venir essayer le matériel et te faire essayer les nouveautés, ça nous conforte un petit peu de savoir si on est dans le vrai ou pas. Celui-là. Ah, ils sont calibrés. Hein. Ouais, c'est tous pareil. Ah, ils donnent des coups de tête, peut-être un peu plus, je sais pas, on va voir. Bah ouais, t'auras réalisé une partie de ton rêve. Une partie de mon rêve. C'est-à-dire, attrapé en sèche, en début d'hiver, sur un grand lisse, un ombre. Voilà, deux générations d'ombre. C'est pas inintéressant. Là, ça nous montre finalement qu'on a un ombre de 2 ans. Ça, c'est 2 ans ? Voilà, 2 ans, le plus petit. Et celui qui est un peu plus gros, 3 ans. 3 à 4 ans, ça dépend. Parce que le taux de grossissement, à partir de la 3e année, c'est pas évident. Moi, ça marque un petit peu ma jeunesse de pêcheur à la mouche, où je viens d'un endroit où il y a très peu d'ombre. Et c'est vrai que le côté ombre, pêche à la mouche de l'ombre en plein hiver, c'est quelque chose qui m'a toujours interrogé, parce que tu vois, faire du poisson en sèche alors qu'il fait moins 3 degrés, pour moi, c'était quelque chose d'inconcevable, quoi. Et tu m'as prouvé justement le contraire, quoi. Oui, 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 c'est tout le côté sympa de ce poisson qui est quand même qui reste actif en arrière-saison et même pendant l'hiver. D'ailleurs, au Royaume-Uni, ils pêchent l'ombre jusqu'à début mars. Hein, et nous, la réglementation nous fait arrêter de pêcher au 31 décembre. Mais c'est vrai que le fait de son activité durant l'hiver fait qu'on peut avoir l'opportunité de cette pêche comme on fait là sur les grands lisses avec ces micros insectes qui émergent et ces poissons qu'on voit gober de petits sucions et qu'on va attaquer. Donc
ce que tu rêvais de faire, quoi, c'est de cette pêche en sèche, de lisse, voir un poisson gobé, faire ta présentation et avoir le plaisir ce qui est le plus fou, c'est que ça a été, là pour le coup, la pêche en sèche a été bien meilleure et bien plus prolifique que la pêche en nymphe, quoi. Là, ils peuvent être sur tout le... Ah ! En dessous. T'en as vu un autre ? Ouais, petit rond. Plus en aval. Bah écoute, dans ce cas-là... Je le sens bien, celui-là, là. Hein ? Je sais pas pourquoi je le sens bien, celui-là. Bah vas-y, hein. J'y vais ? Ouais. Bah oui, au nord, à l'étranger. Au novice. Au novice de l'ombre.